Enfants passent presque tous les jours devant. Ils la contournent et leurs doigts frappent bruyamment. La nouvelle robe trop serrante en acier de la grosse dame qui ne peut glousser sans froisser ses toboggans. Les enfants, avec leurs doigts tout mouillés, collants, leur taille d'asticot calée entre les barreaux, lui caressent ses genoux, lui regardent ses balancements. Ils attendent, excités, que jaillisse un gros sein tendre. Son noyau. Ils ont appris ça au cours de géo et ça leur fait tout drôle. Y a-t-il un escalier pour descendre? Ça doit être beau, effrayant de regarder brûler un ventre. Dans la poussière des poissons qui se tortillent dans le limon. Ils font des nuages avec leurs pieds. Parfois un ouvrier éternue et ça les fait marrer. Ils regardent sévèrement ces hommes en orange portés de longues poutres en bois qu'ils plantent ci et là des totems de guerre aux couleurs criardes. La grosse dame dans cet enfer n'emmène pas large pour le cheval et le cochon à ressort, la cage à boules, la girafe en pneu. Et le mirador, il lui débroussaille le maillot, met à la rue ses bibelots. Il lui retourne ses bagues, lui font ramper les diamants sous sa peau. Il lui piétine ses tatouages, lui ravale ses joues pâles. Il s'efface de nos mémoires, le terrain vague d'hier. Puis ils boivent leur café tiède accoudé à son ventre. Comment font-ils pour ignorer que leur table est vivante? La plante des pieds, ils ont ramassé les casques et les outils. Saint-Jean, les hommes en orange, ils décrochent le toboggan, décrochent le toboggan, vite le bac à sable, vite le bac à sable. Ils découpent les cordes de la balançoire, sans doute pour rester à jamais les seuls assis à être balancés. La terre brûle dans son noyau. Ils ont appris ça au cours de géo et ça leur fait tout drôle. Y a-t-il un escalier pour descendre? Ça doit être beau et effrayant de regarder brûler un ventre.